Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo SQDC. On fait la review 214 avec le Afghani Cookie de Dubon Select. Toujours un plaisir de vous voir. J'ai déjà fait cette vidéo l'année dernière, le 26 juin 2019. Et j'avais dit dans la vidéo qu'il y avait 5 belles cocottes dans mon contenant, que l'humidité était parfaite. Et on peut voir dans la vidéo là, que les cocottes collaient sur mes doigts, donc c'était vraiment résineux. Donc, sûrement un excellent produit pour en extraire les concentrés comme la rosin ou la wax. J'ai regardé la date d'emballage et puis c'est le 30 mai 2019. Dans 15 jours, ce contenant-là a un an. Le taux THC, c'est 15,5. C'est le même produit que j'ai fait l'année dernière. Ce produit-là est à côté de l'autre quand je l'ai acheté. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. C'est quoi, là? Ils m'ont laissé ça 2 ans, 3 ans. Y a-t-il une limite? Faudrait qu'ils enlèvent les produits après 6 mois, qu'ils redonnent ça aux fournisseurs, que la SQDC se fasse rembourser, et puis qu'ils nous envoient des joints pré-roulés, ou des extraits, ou des concentrés, ou du hash. Let's go, faut que ça sorte, là. Un an que j'ai ça. Pas que je l'ai. Moi, j'ai commandé ça du facteur. Là. J'ai reçu ça il y a 2 semaines. Écoutez, c'est impensable. Puis en plus, je ne le trouvais pas pire, le Afghan Cookie. Je pense que j'aimais le goût. L'année dernière, il y avait 5 produits de Dubon Select. Hein, on sait que le fournisseur, c'est iPark. iPark appartient à Tilray. Tilray, côté médicinal. Et iPark, côté récréationnel. Récréationnel, c'est ce qu'on retrouve à la SQDC. Médicinal, il faut vraiment contacter la compagnie pour avoir des produits médicinaux. C'est des produits qui sont plus testés encore que le récréatif et que c'est un petit peu plus haut de gamme. Exactement. Donc, il y avait 5 produits Dubon Select l'année dernière, dont le Great White Shark de Dubon Select qui n'est plus disponible à la SQDC. Et aussi un autre produit qui avait le Sweet Skunk que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui était vraiment sucré, dans la même palette de goût là, que le Étoile Polaire CBD. Il n'y a plus de Great White Shark de Dubon Select. Il n'y a plus de Sweet Skunk de Dubon Select. Ça a été remplacé par le Ash Plant de Dubon Select et le Blueberry, tout dernièrement, là est arrivé à la SQDC. Vraiment déçu là de savoir que je vais fumer le même produit que l'année dernière. Hey, ça fait un an, là, c'est un record pour Winman, pour la longévité du contenant. Combien de temps qu'ils vont laisser ça là? C'est comme le monde doit réagir là. Je sais pas, la fraîcheur elle doit être différente. Le produit dans du plastique. Écoute, on rouvre ça tout de suite. On rouvre ça tout de suite. Produit à 29,30$. On sait que Dubon Select ont aussi leur gamme Dubon, un peu inférieure. Les produits Dubon Select sont 29,30$, sauf un produit qui est à 27,30$. Donc, 2$ de moins, c'est le produit Ash Plant. Je sais pas trop là, pourquoi il y a 2$ de moins. Côté marketing, ça devrait être tout le même prix. En tout cas, considérez un hybride et on va voir à ça. L'année dernière, là, j'avais trouvé qu'il tirait un petit peu sur le côté sativa. On va regarder les terpènes. Le Afghani Cookie là, comme terpène. On parle du myrcène. Myrcène, habituellement, j'aime beaucoup ça. J'ai aimé le produit l'année dernière, donc j'imagine que je vais l'aimer encore. Humulène. Ça, je pense que c'est un goût de noisette et cariophyllène, là, vraiment un goût poivré, épicé. Donc, c'est la 3e terpène, cariophyllène. J'espère qu'elle va être vraiment minime.
mais des fois j'ai des mauvaises surprises. Des fois la troisième terpène, c'est elle que je goûte le plus. Juste à penser à la dernière vidéo de Kiwi Cannabis avec le Cali Orange, le produit que Jean m'avait donné, hein. Jean l'abonné là, qui reste tout près de l'Ontario et qui se produit cure beaucoup de produits avec CBD en Ontario. On ouvre ça. Afghani Cookie de High Park. Arôme terreux, fruité, boisé. Donc terreux, là, carrément un petit bout de terre. Fruité, ça dépend de quel fruit. Et puis boisé, là, c'est sapin, pin. Avant de l'ouvrir, je vais aller voir sur Leafly. Je ne sais pas si l'année dernière, j'avais été voir sur Leafly. Voir un petit peu si on est capable de voir le Afghani Cookie. Y a-t-il des croisements ou c'est vraiment là un produit de la SQDC avec tous ses secrets, hein? On sait qu'il y a beaucoup de produits à la SQDC qu'on n'est pas capable de savoir vraiment là c'est quoi le vrai produit à l'intérieur, là, tu sais. Afghani avec un H. Donc, Afghani Cookie. C'est pas très très professionnel, hein? Vraiment désolé. Bon, il y a un hit trop. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment un produit vraiment de du bon select. Ici, là, j'ai juste Afghani, Blue Afghani. Je sais qu'il y a d'autres sites que Leafly. On va en avoir un deuxième. J'aime bien utiliser le site français Cana Connexion. Donc, Cana Connexion. On va essayer ça. Af. Hey boy. Afghani. Cookies. Cookies. Space cookies. Écoutez, on va ouvrir ça. On va en avoir cure net. Comme une petite bulle par-dessus. Il y a jamais eu ça, la bulle, là. La voyez-vous, la bulle? Oui, là, on la voit. On la voit, on la voit, on la voit. On voit le cercle. Ok, on ouvre ça. Peut-être on va être pow, une boule d'air. Il y a eu une petite boule d'air. C'est tout émietté. Oh, c'est sec, 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 sec. Tabarnak! On regarde ça ensemble. Alright, on est de retour. Je suis encore en tabarnak. Écoute, check ça, man. Check ça. C'est sec, 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 man. Je suis loin d'avoir 5 cocottes. Si j'enlève toutes les grosses cocottes, là. C'est pas si pire, c'est pas pire. Mais check bien ça, check bien ça. Check bien ça. Ok, on m'en prend d'elle, cette, là. C'est sec, c'est de la merde, ça me fait chier. C'est pas correct, man. Terreux, 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 mon gars. Il n'y a plus de goût de sucré là-dedans, là. C'est terreux. Terreux, avec une petite affaire, une petite touche de sucré. Mais colline qui aurait été meilleure, là, ça aurait été super frais. Écoute, c'est pas correct. Ils devraient enlever ça des tablettes. Si vous êtes en succursale, demandez la date d'emballage. Ne prenez pas un produit qui est plus de 6 mois. 6 mois d'emballé, là, ça se détériore la qualité. Écoutez, écoutez, c'est bien beau un Boveda, réhumidifier ça, c'est bien beau une pelure de patate, une pelure d'orange, une éponge humidifiée dans le top de votre couvercle. Il faut pas toujours réhumidifier, il faut l'avoir frais. Faut pas commencer à le réhumidifier, c'est pas de même là. Faut pas qu'on soit obligé de le réhumidifier à toutes les fois là. Pas normal, c'est pas correct ça. C'est pas correct. On va regarder si on peut regarder les trichomes. C'est faire un petit zoom ici, là.
C'est sec, 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 sec. Tu peux voir les feuilles sucrées ici, là. C'est vraiment hyper sec. Tu sais, tu sais, tu sais. Écoutez, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est pas correct. OK, on enroule un. Écoute, on est de retour. C'est effrayant. Écoute, voilà un an, le produit était parfait, l'humidité était parfaite. Là, ce cannabis, un an dans un pot de plastique sans Boveda. Oublie ça, man. Oublie ça. Sec, sec, sec. C'est pas le même produit. C'est pas le même produit. Oui, c'est le même produit, man. C'est le même fucking produit, man. Emballé le 30 mai, c'est le même produit. 15,5% THC. C'est le même produit. Pas la même qualité, par exemple, hein? Puis arrête de me dire que quand tu mets le cannabis dans le pot, il est déjà sec. Non, non. L'humidité était parfaite, là. Elle était parfaite l'année passée. Mais avec le temps, ça s'est détérioré. Tu comprends-tu? Le monsieur commence à être tanné, là. C'est quoi qu'on va faire, man? C'est quoi? On boycotte le Dupont Select? On boycotte SQDC? C'est qui faut boycotter? C'est qui va nous écouter? C'est qui? On fait des plaintes, y a personne qui nous écoute. Hey, on va te renvoyer un courriel. Y en a pas de courriel, y a rien. Y a pas de rappel, y a rien. Très, très, très déçu. Boîte de carton, ils vont-tu comprendre qu'on n'en veut pas? Mais ça fait un an qu'ils l'ont emballé. Fait un an qu'ils l'ont, le carton. Commencerez pas à enlever le carton, il est déjà là, le carton. Hey, ça fait un an qu'il est là. Hey, moi, je pense au produit Tweed. Je le sais, il y en a qui m'ont envoyé des photos pour me dire, ah, non, non, produit Tweed, pas si pire. J'ai eu deux photos. Deux photos. Hey, montre-moi-en des photos de Tweed, que l'emballage, il est correct. Hey, ça doit faire dur, pas à peu près, même la date d'emballage chez Tweed. Hey, si du bon Select est un an, Chris, un an, Tweed, ça va être quoi, un an et demi? Regardez la date d'emballage, là. Tu sais, quand le produit est tout sec de même, là. Pas normal, man, qu'il t'ait donné ça de même, là. Parce que c'est trop sec, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est emballé. Pense pas être capable de faire de la belle rosin avec ça, avec la presse, mon gars. Tu vas mettre ça à la presse, pow! Ça va exploser, mon homme, ta cocotte. La presse, elle aura même pas le temps de finir. Surtout qu'elle va toucher la cocotte, elle va exploser, man! Commencera pas à s'écraser pis que le jus va sortir, là. Non, laisse faire, là. Cocotte va exploser. Surtout que tu y te pars! Pas évident, à cette heure, d'acheter sur Internet, là. Pas évident, là, de faire confiance aux facteurs. Pas évident. Là, si ça me tente de me racheter des produits, là, qui sont pas super récents, mais y penser deux fois. Mais pensez deux fois. C'est pas 18,50, là. C'est 29,30 $. Un autre 10 d'acheter aux poubelles. Hein? On en jette des 10 $, nous autres. Hein, tiens? 10 $, 10 $. J'aurais été capable de trouver un produit à 20 $ mieux que ça, là. Meilleure qualité, meilleure humidité. Il enlève le Sweet Skunk puis le Great White Shark. Il en vendait pas? Il n'avait pas? Il n'y en a plus de Sweet Skunk! Il n'y en a plus nulle part! Pourquoi tu l'enlèves? Garde le Sweet Skunk puis enlève-moi l'Afghani Cookie! Non, non, on garde les produits qu'on vend pas. T'enlèves le Afghani Cookie, tu fais des concentrés ou tu fais des joints pré-roulés, puis tu regardes le Sweet Skunk. Y a-tu quelqu'un qui comprend pas? Man, c'est quoi qui comprennent pas là-dedans, man? Il enlève toujours les produits populaires. Sont-tu caves? Pis ça, High Park, là. Tilray, là. C'est eux autres qui font notre Purps. Pis les produits Grell. Qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie-là, man? C'est quoi leur problème, man? Ils sont pas capables de faire du cannabis, eux autres. High Park, c'est où ça, High Park? H.
Eux autres, non, on va attendre de vendre le Afghani Cookie. Après, on va mettre du grill. Ouais. Ah non, eux autres, ils se concentrent, ok, ben oui, Hyde Park, eux autres, ils se concentrent là, sur Soleil. Non, qu'est-ce qui est arrivé? Il veut vraiment pas me donner le... Hyde Park veut vraiment pas apparaître, man. Hyde Park, 5. Il y a pas juste 5 produits de Hyde Park. Grail, c'est Hyde Park. Gros problème ici, les boys. Gros problème, on va essayer de régler ça, là. On va recommencer, man. Bon, SQDC, produit, cannabis séché. Là, je vais voir qu'est-ce qu'ils font à Hyde Park, là. On s'en va en bas. Je suis sur le site de la SQDC. Hein? Pour qu'il y en a qui me suivent, hein? Je suis en train de regarder la télévision, là. Hein? Hyde Park. Frustré? Non, pas frustré. Il vient de dépenser 30$ pour un produit qui est sec. Qui va brûler vite, mal. Oh, il met un Boveda! Je suis en train de faire une vidéo. Pas le temps de mettre un Boveda. Faut que je le fume. Ah oui, la batch. Eux autres font la batch. Du bon select. Marley Natural. Un produit que personne veut. Pourquoi je dis ça? Pas capable de gagner dans mon Instagram, le gros. Marley Vert. Blue Dream. Père toujours et Conco. Tout le temps. C'est un mal-aimé. De quoi je parle? De Marley Natural, de Blue Dream. Je suis en train de te dire que c'est un mal-aimé. Mais non, t'es pas un abonné Instagram, ça paraît, hein? Il te manque des bouts. Il te manque des bouts. Tu t'en vas sur mon Instagram. Oui, Nindicoman, le lien est en bas. Oh, tu vois pas le lien. Paye sur plus en bas. PLUS. Oh, t'avais pas vu la section plus? Ben oui. Let's go active, mon homme. Grell. Il y a juste le pink couche de Grell. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à cette heure, à la SQDC, ils mettent l'inventaire des produits. S'il n'est pas disponible en ligne et qu'il est dans aucune succursale, ils l'enlèvent. Parce que si on écrit en haut Perps, d'après moi, il va apparaître, mais il va être en pâle. La photo va être pâle. Exactement. La photo est pâle parce qu'il est non disponible ni en succursale, ni en ligne. Il y a seulement le pink couche de Grell qui est disponible. Puis quand on regarde les produits Grell, ben faudrait, si j'écris les produits Grell, de toute façon, ils vont juste me mettre le pink couche parce que quand il n'y en a pas, ils ne le mettent pas. Je m'en souviens plus par cœur. S'il y a ça encore le Headband, il y a ça encore le Purps, il y a ça encore le Rockstar. Trois produits ultra populaires qui sont jamais là. Mais garde le Afghani Cookie quand ça fait un an qu'il est sur la tablette. Un an, man. Un an. C'est le même que j'ai fait l'année passée. 15,5. 15,5, je l'avais acheté. Je l'ai eu au mois de juin. Puis il s'était fait emballer un mois auparavant, le 15 mai. Le 30 mai. 30 mai 2019. Je suggère à tout le monde de ne pas acheter des produits qui sont pas super récents, hein, pour pas avoir de mauvaises surprises. Là, j'espère qu'il va bien brûler, qu'il va pas te brûler trop vite. Hein? Quand c'est très 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 sec, là, ça brûle en 2-3 minutes. Tu peux pas fumer ton joint en 7-8 minutes. Ben, t'es bien le seul à fumer un joint en 7-8 minutes. Ben oui, moi je goûte, puis c'est ça. Moi, ça prend du temps avant que je le fume. Je le fume pas en 1 minute, mon joint. Alright, santé. Afghani Cookie, j'aurais pensé qu'il aurait été plus populaire que ça. Je pensais qu'il aurait été capable de passer une batch. Mais ça avait l'air que non. Ça avait l'air que non. Quinze point cinq. Hey, tu me niaises-tu, man? Tu me niaises-tu? Hey, tu me niaises-tu? Entre 17 et 23, j'ai 15,5. On parle-tu du même produit, tabarnak?
Hey, tabarnak, j'ai 15,5, man! Entre 17 et 23, qui mange donc de la marde, sti, qui a le don un chier! C'est quoi ça? C'est-tu de la fausse publicité? Tabarnak, man! Je commande un produit, c'est écrit entre 17 et 23, je reçois 15,5! Un produit, ça fait un an, man! Un an! C'est même pas les bons chiffres, man! Hein, on l'a étudié à cette fois, man! Si tu vas t'acheter de la bière, puis tu veux de la 6%, puis tu te retrouves chez vous, puis c'est de la 3,9! Ça marche pas, man! C'est de la fausse publicité, man! Entre 17 et 23, j'ai du 15,5! Y a-tu quelqu'un qui va m'aider, man? Y a-tu juste moi qui chiale tout seul dans mon salon? Ça met de l'air! Ça met de l'air! Tabarnak, man! Là, je vais appeler, on va faire une plainte. Ah, ramène ton produit, gros! Ouais, mais là, avec le COVID, c'est quoi la procédure? Finira jamais, le gros, là. Ça finira jamais, la petite procédure. C'est de l'hostie de merde, cette petite affaire-là, man. Arrange-toi avec tes problèmes! Je suis encore plus en crise en 17 et 23 que c'est 15,5. Que l'année d'expiration, l'année d'emballage, ou je sais pas trop quoi, man. Va l'appeler la SQDC, man. J'étais cœuré, man. J'étais cœuré. J'étais cœuré, Baron. C'est de l'hostie de marde, man. C'est pas vrai ce qu'ils écrivent. Ils écrivent même pas les bonnes informations. Pourquoi t'écris en 17 et 23 quand j'ai du 5, 15,5? Écris pas ça, man. T'écris n'importe quoi, man. Pourquoi t'écris ça? Pourquoi t'écris ça? Mais c'est pour donner une indication aux gens. Pour savoir un peu l'intensité du cannabis qu'ils vont recevoir. Mais c'est même pas vrai, tabarnak! C'est un site gouvernemental! C'est tout croche, tabarnak! C'est tout croche, esti! Pas capable de mettre des esti-chips à l'ordinateur! 15,5, man! C'est pas du français, là! Oublie pas tes S, là! Non, c'est des chiffres, tabarnak! C'est qui fait ça, ce site d'affaires-là, man? Le gars, il doit pas aimer les chiffres, il doit même pas fumer du cannabis, il doit s'en colisser raide. Sacrement! Si vous aimez pas votre job, changez de job, tabarnak! J'haïs les incompétents. Je suis plus capable. Je suis plus capable, man! Ah, tabarnak, man! Va donc chier, ce gouvernement! Ils règlent pas les problèmes! Ils règlent pas ce qu'on leur dit, man! C'est 15,5! Pourquoi t'écris ça, 17 et 23? D'habitude, tous tes produits SQDC ont 10% de jeu. En 13 et 23! Là, tu fais ton petit comique. En 17 et 23. 6 de jeu. Oh, tu t'améliores, ça m'améliore. T'es même pas dans le range. T'es même pas dans le range, man. Le range, man, mais là, 13 et 23, calice. J'ai 15,5. Fuck you, man. Ils sont caves, man. Ils sont caves. Le pire, c'est que j'aime le goût. C'est ça le pire. Terreux sucré. Terreux sucré. C'est ça qu'ils disent, eux autres, hein? Terreux sucré. Terreux fruité, boisé. Pas de boisé là-dedans. Le fruité. Fruité sucré, j'ai de la misère, moi. Quand c'est fruité, j'aime ça savoir un peu le fruit, mais. Terreux sucré, ils écrivent terreux fruité. Qu'on va dire que c'est terreux fruité, mais je trouve que fruité sucré, c'est quand même deux goûts quand même agréables. Je trouve ça très difficile à comprendre entre fruité et sucré. Le pire, c'est qu'il est bon, je l'ai dit. Calais, ça aurait été le fun. Là, je le mouille, hein, je le mouille pour qu'il brûle bien, pour pas qu'il brûle trop vite. Alright, prochaine vidéo, là, ça va être danse de fraises.
OK? Une vidéo très, très, très attendue. Des abonnés de Winman. On est bientôt rendu à 5 000 abonnés, Winman. C'est vraiment incroyable. Merci à tout le monde. Continuez de m'encourager. Abonnez-vous. Vous allez peut-être être le 5 000e abonné. Je roule beaucoup sur Instagram aussi, là, sur ma story. Je fais des concours de quelle vidéo avec la prochaine vidéo. Je mets des photos. Allez voir ça, allez voir ça. Weed Ain't Common. J'espère que tu as aimé la vidéo. L'arôme, ça dépend à chacun. Je peux pas te donner une note de passage. J'étais vraiment trop sec. 5 sur 10. Parce que j'aime l'arôme. Ça va sauver la face. C'est pas une note de passage, 5. C'est inacceptable à quel point c'était sec. Ça devrait être retourné chez le fournisseur. C'est considéré pour moi, c'est considéré expiré. On peut pas toujours réhumidifier sur cannabis. Quand on sort sur cannabis, c'est supposé être bon. OK? Je dis pas de le jeter aux poubelles. Je dis pas de le jeter aux poubelles, mais il peut faire des joints pré-roulés. Il y a une clientèle pour ça. Peut-être que ce serait une façon là, de peut-être passer le cannabis sans que ça paraisse trop, sans qu'on voit trop la qualité. Mais comme ça, quand tu prends la coca dans tes mains, puis que tu l'égrènes dans ton grinder, quand tu y touches, tu le vois, c'est pas correct, tu le vois tout de suite, tu comprends-tu? Tu peux pas le déchirer, tu peux pas le sentir, tu peux pas regarder les trichomes à l'intérieur, tu peux pas regarder à l'intérieur parce que ça tu casses. Hein, tu peux pas le déchirer puis le sentir encore plus. Donc c'est 5 sur 10. Je reste là-dessus. J'espère qu'on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.